Voilà, en train de faire du pesto, d'herbes sauvages, donc toute la vitamine est là, pas besoin de prendre des compléments alimentaires, attendre d'un sauveur de quelconque. Si on veut déjà se sauver, sauvons-nous par nous-mêmes de l'intérieur. Donc voilà le résultat. Donc, vous voyez qu'il n'y a qu'une grosse quantité d'herbe, on fait peu de pesto finalement. J'ai gardé les tiges et tout ça, les racines, tout pour. Je les ai laissées infuser dans de l'eau pour faire du thé, quoi. Comme ça, on ne perd rien, on garde tout. Donc voilà la salade avec le reste des feuilles. Voilà à quoi va servir le pesto. Donc le pesto, vous le faites comme vous voulez, vous mettez des amandes, des noix, si vous voulez pas, vous en mettez pas. Moi, j'en ai pas mis parce que j'en avais pas. Après, la cuisine, c'est inventif et tout se marie, quoi, comme on dit. Donc je voulais vous expliquer aussi vite fait. J'ai une amie qui m'a envoyé un message aujourd'hui, elle me dit, ouais, elle s'est fait choper à la douane, on lui a mis 300 francs d'amende parce qu'elle a acheté des courses en France, quoi, de la viande, quoi. Donc voilà, donc c'est une personne qui est déjà au chômage, qui a un chômage avec, je crois que c'est 4 heures ou 3 heures. Donc on lui paye du chômage à raison de 4 heures. Donc vous voyez bien que ce monde-là, c'est un monde de criminels, un monde de salopards qu'on. C'est toujours les petits qu'on punit et les gros qu'on laisse passer. Donc, c'est pour ça qu'avec des préparations comme ça, vous vous émancipez de l'État. Et comme je vous ai déjà dit par rapport à d'autres vidéos, qu'est-ce qui s'en vient? C'est nous rentrons dans une dictature et le faible va devenir opprimé et n'aura plus de liberté. Et si vous voulez déjà vous libérer de vos chaînes d'esclaves, bah, la nature est là et commencez par ça, quoi, pour vous émanciper. Donc voilà. Bonne journée et faites attention à vous.